Allez, c'est reparti pour un mini-jeu, et cette fois-ci un mini-jeu cagnotte cette fois-ci. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème et dernière partie sur le Let's Play de Mario partie 9. Sur Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé le plateau de Bowser en apesanteur et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de finir ce plateau et battre Bowser une bonne fois pour toutes. Et donc on s'était arrêté donc ici sur un petit mini-jeu cagnotte où il y avait je ne sais plus combien, 26 étoiles à gagner je crois. Enfin à se répartir en tout cas. Et on est parti pour le trampoline céleste où le but c'est d'avoir le plus de points possible en ramassant un maximum de ballons. Yes, une ballon de 10, c'est très bien. Laissez-moi monter. Bon, je m'en fous, je prends les points. Oh, 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 non. Non. Et qu'un mec qui m'a double au poteau, salaud. Bien joué. Bien joué, bien joué. Oh, c'est pas vrai. Bah, par contre, Bordeaux, elle est nulle, quoi. Ok, ok, tandis qu'il y a un avion qui passe au-dessus de moi, mais c'est pas grave. Ok, bon, au moins, Kamek, ouais, reste devant. Il était déjà bien devant, maintenant il l'a encore plus. Mais on va se brancher, vous allez voir. Oh non! Oh non, mais en plus il gagne la cagnotte, sérieux. Félicitations, vous avez touché le gros lot. Vous obtenez toutes les petites étoiles de la cagnotte. Oh mais sérieux, quoi. Il gagne 7 étoiles de plus, quoi. C'est pas juste. Aïe, 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 aïe. Ok, la cagnotte revient à 7. Oh sérieux. Mais là, Camille, il a trop d'avance, quoi. Ok, 5. Bon, on passe à la dernière ligne droite. Alors, le classement, ouais, ben, pour l'instant, Kamek est bien devant. Hein. En plus, je peux pas me permettre de perdre le plateau. Enfin, pas de perdre le plateau, mais je peux pas me permettre que Kamek ou Maskas l'emporte. Hein, parce que s'il l'emporte, je devrais recommencer le plateau. Capitaine Bordeaux, j'ai un sacré paquet de petits cadeaux pour toi. Eh bien, prends ça. Pas sympa, Bowser, à acheter des casques comme ça. Voilà qui devrait rajouter un peu de piment. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Rejoignez-moi si vous l'osez. L'heure du combat final approche. Oh non, c'est terrible. 5 casques se sont transformés en vilaines casques, Bowser. Mais vous pouvez quand avancer de 3 casques. Ok, donc plus 5 pour la cagnotte. Tu passes à 12. Et c'est à moi de jouer. Il faudrait que je fasse au moins 5 là pour ramasser pas mal d'étoiles là. Oh là là là. Oh c'est bon ça. Oh c'est bon ça. Oh oui, impeccable. Ah là je remonte bien là, parfait. Et en plus je repasse devant Kamek, c'est impeccable. Ok, plus 5 dans la cagnotte. Ah joli coup là. Ok, la cagnotte passe à 17. Ah, Maskas de jouer. Ok, dépipé. Bon, là, c'est juste pour dire d'atteindre la mission. Donc, la mission. La voici. Bienvenue sur la base comète. Allez, je vais vous faire expliquer les règles. Sur la base comète, un chemin est attribué à chaque joueur et ils font ensuite la course jusqu'à l'arrivée. Chaque chemin compte un nombre de cases différents. Bien que les chemins les plus courts soient les plus avantageux, les dés jouent également un rôle déterminant. C'est le capitaine qui attribue à chaque joueur un chemin. Alors choisissez judicieusement pour atteindre l'arrivée. Donc comme c'est Maskas le capitaine, c'est lui qui va choisir à qui sont attribuées les places. Alors, Kamek sur le chemin le plus long, Bordeaux ensuite. D'accord, moi je vais sur la place numéro 3. Et Maskas évidemment, il va prendre le chemin le plus court. Mais vous avez vu peut-être aussi sur les deux chemins le plus long, il y a des petites étoiles en plus. C'est assez pratique. Oh, 6. Pas mal.
Ah, 3, je tombe sur une case rejouée, c'est pas mal. Et 1 pour Mascasse, qui va avoir du mal à avancer. Ah bah Bordeaux aussi tombe sur une case rejouée, bah c'est très bien. Donc un mec et moi et Bordeaux, pardon, on a le droit à un tour de plus. Et moi aussi, ah oui, moi aussi j'ai une case rejouée. Oh, si, c'est pas mal. Oh non, Bosa, non, tu vas pas me faire le coup. Tiens, tiens, on dirait bien que vous allez finir en même temps. L'égalité, c'est pour les blaireaux. Voilà un petit cadeau qui devrait rendre les choses plus intéressantes. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il me donne des dés 1, 2, 3, salaud. Pas la peine de me remercier. Oh, le salaud de Bowser. C'est dégueulasse. Ah ouais, bah, si je fais 1, je suis foutu. Ah ouf. Ouf. Ouh. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu chaud. Pas mal, toi, des Bordeaux. Très bien, retournons sur le parcours principal. Oh, j'ai eu chaud. Ta saleté de Bowser. Non, mais à la base, j'ai cru qu'il allait rendre les étoiles d'arrivée sombres. Hein. Je me suis dit, non, il va pas faire ça quand même. Je suis quasiment à l'arrivée, il va me donner des étoiles sombres. Vas-y, quoi. Pépère, allez. Non, c'est bon. Je suis un peu plus rassuré, déjà. Ok, casse Bowser. Alors, oh, il y a que des trucs bien pour moi. Ah, donne 10 étoiles au dernier, ça c'est bon ça. Qui est dernier, c'est Mascasse? Capitaine Kamek, donne tes petites étoiles à Mascasse en dernière place. C'est bien ça en effet. Ah, tu as bon cœur aussi Kamek, c'est bien. Faut aider tes compagnons, tu vois. Voilà qui devrait rajouter un peu de piment. A plus tard, les cafards. Ah là, là, je suis bien devant. Là, hein. J'ai 30 étoiles d'avance. Et on est à combien de cases? 5 cases de l'arrivée. Donc si Bordeaux pourrait faire un 5 ou un 6, ça m'arrangerait. Évidemment, elle fait 1 et refait Bowser, décidément. Bon, bah, rebelote, hein. Rebelote. Oh non! Non, pas tous égaux! Oh non! Oh la vache! Oh la vache! La moitié des étoiles en jeu! Oh la vache, ça va être chaud là! Oh, ça va être chaud! Oh, oh, oh. Allez, tout le monde, donne la moitié de ces petites étoiles! Voyez-vous ça? Ça nous fait 66 petites étoiles! On peut dire que vous avez pas chaud, mais... Je redistribuerai vos petites étoiles une fois le combat terminé. Alors je vous conseille de ne pas me décevoir. Je veux du spectacle. Oh punaise, on refait une balle en poulet, mais non. Mais ça c'est un jeu où tu peux tout perdre à la dernière seconde, quoi. Mais non. Oh non, pas ce jeu, les gars, pas ce jeu. Oh non, pas ce jeu, les mecs. Pas ce jeu. Oh putain. Oh, regardez-moi ça. Arrêtez de me pousser, putain. Arrêtez de me pousser. Non, 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 non. Ah, putain. Non, mais ça, c'est un jeu de bâtard, quoi, les gars. Merde. C'est un jeu de fourbe, celui-là. Oh, mais Bordeaux, t'es nul. Non, 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 me pousse pas, hein. Il faut que j'arrive à te faire tomber qu'un mec. Ok, Mascasse est tombé, Mascasse est tombé. Vas-y, ramasse-moi tout ça, là, voilà. Non. Ok, bon, c'est Kamek qui l'emporte, mais j'ai failli m'en prendre une à la fin. J'ai failli m'en prendre une à la fin. Oh.
Ah, puis là, qu'un mec il va bien passer devant là. C'est pas terrible. Oups, je vais pas pouvoir partager une petite étoile de rien du tout. Vaut mieux que je la garde pour moi, vous croyez pas? Voilà qui devrait rajouter un peu de piment. A plus tard, les cafards. Alors, niveau classement, on en est où là? Parce que là. On est où là? Oh putain, égalité! Oh putain! Il faudrait que je fasse au moins 4 là pour finir là. Demi-tour. Oh putain, demi-tour. Ou sinon, il faudrait que je tombe sur la casse cagnotte là. Oui! Oui! Casse cagnotte, parfait! Oh la chance de ouf là! Oh là 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 là, la casse cagnotte qui tombe bien là! Impeccable! Ok, on repasse à 7. Ah, je pouvais pas espérer mieux là! Allez, fais au moins 3 qu'on finit! Mais non! Mais non, mais non! Oh les mecs, non! Mais non! Oh non! Ah, donne 10 étoiles au dernier. Non mais j'avais peur qu'il retombait sur les trucs en moins. Ah oui, mais c'est Mascasse le dernier, donc Goza va lui donner 10 étoiles. Ah oui, mais c'est vrai qu'il était très en retard, c'est vrai. Bon, ça va. Ça ne change pas grand-chose. Même à moi, ça m'arrive d'être gentil de temps à autre. Soyez pas timide, mais quand même me dire merci. Tu parles. Bon allez, Kamek, termine là, s'il te plaît. Non, mais s'il refait un, là, non. Hein. Ok. Ouh, on va enfin pouvoir finir. Allez, c'est parti contre Bowser. Bienvenue, Capitaine Kamek. Si vous voulez récupérer vos précieuses petites étoiles, il va falloir me passer sur le corps. Oui, oui. Inclinez-vous devant ma puissance. Tu as pris du poids, mon Bowser. Tu as pris du poids. Alors, contre Bowser. En plus, c'est un boss que j'aime beaucoup, celui-là. Vous allez voir un peu comment ça va se passer. Voilà, en fait, Bowser va sortir des dés. Et le but du jeu, c'est qu'il faut essayer d'avoir des dés sur notre face à nous pour l'attaquer. Voilà, toutes les faces qui sont pas à moi, allez hop, ça dégage. Je vais faire en sorte que Kamek ne remporte pas la partie. Hop là. Alors, on va voir un peu le truc. Oh la vache! Alors, 5 points pour Mascasse. 2 points pour moi. 1 point pour Bordeaux. Et vous voyez ici qu'il y a 2 dés qui sont à l'apparence de Bowser. Ce qui signifie que Bowser va nous attaquer 2 fois. Voilà, en nous envoyant des flammes. Et d'ailleurs, je m'en suis pris une en pleine tronche, qu'il est bête. Allez, deuxième tour. Top, on touche plus. Oh la vache, encore 5 points pour Mascasse, bah décidément. Ok, 3 points pour moi. 1 point pour Kamek et Burdo. Et quant à Bowser, ouais, Bowser il a 0 lui, donc il. Eh ouais, tu vas rien pouvoir faire. Nananer. Bon, par contre, on va peut-être arrêter un peu Mascasse là, parce qu'il a beaucoup de dés là. Ok, on touche plus au dés. Alors, on va en voir un petit peu. 4 points pour Bordeaux. Ok, Bowser passe à la moitié. Donc là, il va s'énerver un petit peu. Voilà, alors vous voyez, voilà. Bowser grandit encore plus. Un gros Bowser, ça. Alors oui, 3 points pour Kamek. On va quand même continuer les points. 1 point pour Mascasse et pour moi. Et 1 point pour Bowser qui va nous attaquer. Et évidemment, bah, comme Bowser est plus grand, voilà, il va balancer de plus grandes flammes. Et maintenant, à chaque tour, voilà, il va lancer un des boss.
et un boss va nous attaquer. Voilà, donc là c'est tombé sur Chombe, donc là il faut faire attention car Chombe va arriver. Voilà, et il va nous attaquer. Oh putain. Ah, salut Chombe. Chombe il a rien fait quoi. Allez, c'est reparti pour un tour. Mais là cette fois-ci, voilà, voilà, le plateau va se renverser un petit peu. Pour rien arranger. Allez, on touche plus au dé. Alors vraiment les points. Alors 3 points pour moi. 2 points pour Kamek. 1 point pour Bordeaux. Et par contre là 4 points pour Bowser. Donc là il va falloir faire attention à ses flammes. Qui va balancer à 4 reprises. Voilà, faites-vous. Voilà, faites-vous avoir. Alors le Devos. Ok, c'est tombé sur Bloops. Donc la blouse va arriver, voilà. Et lui, ce qu'il va faire, voilà, c'est qu'il va nous balancer des oursins à la tronche. Aïe, sale dos. Alors aussi, vous le voyez, hein, si on se prend un dé dans la tronche, que ce soit le dé boss ou un dé classique, on se prend pas de dégâts. Hein. C'est que des dés. Hein. Alors j'ai pas de points là. J'ai pas de points. J'ai pas, pas de points. Oh, c'est nul. Alors, 4 points pour Maskas. 3 points pour Bordeaux qui va finir, hein, d'ailleurs, Bordeaux. Hein. Ouais, c'est Bordeaux qui fait le coup de grâce. Bon. Tâche finit quand même 3ème hein, de ce combat de boss. Hein. C'est pas terrible. Hein. Enfin, ça va se rééquilibrer quand même. Hein, parce que Maskas était dernier, Bordeaux 3ème. Kamek 2ème et moi j'étais premier. Ça va se rééquilibrer tout ça. Oh là là. Ok, bon, ça se rééquilibre un peu. Je sais pas comment ça va se donner au niveau des étoiles bonus. On va voir ça. Merveilleux, Maskas, vous avez récupéré les petites étoiles. Merci. Félicitations tout le monde. Voyons maintenant les résultats. Le joueur qui a rassemblé le plus de petites étoiles se verra décerner le titre Superstar. À présent, il est temps d'annoncer les titres qui vous reviennent. C'est la dernière chance de gagner les petites étoiles. Je vais te nommer tout d'abord la star des dés. Alors, qui c'est qui a utilisé le plus de dés? Ah, c'est Bordeaux, Kamek et Maskas. Moi, je vais pas vraiment utiliser de dés. Hein. La star tranquille, c'est celui qui a avancé le moins dans la, durant la partie. C'est Maskas. Oh là là, attention, faut pas que Maskas remonte trop non plus, hein. Et la star malchanceuse pour celui qui a pris le plus d'étoiles sombres, c'est pas moi. Je pense que c'est Kamek, non? Ah non, c'est Kamek et Maskas. Oh là là! Ouh, j'ai peur là! J'ai très peur, les gars! Allez, voyons voir qui l'emporte. Ok, Birdo 4ème. Ok, Maskas 3ème. Et je suis quand même premier, j'ai de la chance, la vache. Et Todd avec 69 petites étoiles et la superstar, félicitations. J'ai quand même eu très chaud. Hein. Grâce à Todd, la superstar, nous avons récupéré nos petites étoiles. Todd a vraiment été remarquable, c'est la superstar de tous les plateaux. C'est ainsi que notre aventure prend fin. Ce fut réellement un plaisir de partir en exploration à vos côtés. Mais je t'en prie. Oh, c'était quand même très serré, hein. 69-62. C'était quand même très très serré. Voilà le classement. Ok. Alors, on va avoir un petit peu... Ouais, mini-jeu. Et mini-jeu, c'est quand même qu'un mec qui l'aurait eu, hein. La vache. J'ai perdu 32 étoiles dans les mini-jeux, la honte, quoi. Alors, les cases. Ouais, bon, les cases... Voilà, des dés, je crois que j'en ai même pas utilisé. Hein. Ah ouais, j'ai même pas utilisé un des bonus, quoi. Donc tous les autres en ont utilisé un. Voyons combien de petites étoiles t'as ramassé cette fois. 69, vous voyez, Gaillard dans le cratère, j'en avais ramassé 92, hein, donc j'en ai quand même ramassé beaucoup. Et ce qui me fait un total de 433 petites étoiles.
Non, j'ai échoué. Mon joli petit rêve étoilé s'écroule. Mon château illuminé de petites étoiles ne verra jamais le jour. Et c'est ainsi que se termine notre aventure. Délivrés par Todd, les petites étoiles purent à nouveau illuminer le ciel nocturne de leur éclat magique. Et j'ai pas eu le temps de lire, merci. Loul, on a même pas le temps de lire. Alors regardons ensemble le classement petites étoiles. Star incompa, 433. Et en plus c'est mon pire classement. Hein. Voilà, mon meilleur classement c'était quand même 536. Hein. C'était... voilà. C'est pas terrible. Et j'ai gagné 433 petites étoiles. Plus un bonus de 500, oui, bon, si tu veux. Mais de toute façon, les points, je les ai déjà tous débloqués. Hein. D'ailleurs, pour vous montrer, je vois qu'il me reste un peu de temps. Ce qu'on va faire pour terminer, je vais vous montrer un petit peu le reste. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'on peut débloquer. Voilà, en fait, on débloque des constellations. Voilà, qui sont... voilà, le grand frère, le petit frère, puis on peut observer le ciel. Voilà, pour voir un petit peu les constellations qu'on a eues. On peut même lancer des petits feux d'artifice. Puis voilà, on voit un petit peu les constellations. Voilà, le petit diadème, les blocs, la créature. Voilà, on voit un petit peu les petits trucs comme ça, par-ci, par-là. Voilà, la gloutonne, enfin voilà. Bah, je vais pas tous vous les montrer, mais... bah, la grande chenille, les sylvestres... c'est bizarre qu'ils s'appellent les sylvestres alors que c'est les copeaux, en fait, hein, voilà, donc c'est... voilà. Bon, je vous en montre pas plus non plus, parce que bon, voilà, à force... alors, au niveau des plateaux, oui, il y a un plateau qu'on n'a pas vu, voilà, c'est la jungle d'Onkai, qui est aussi un plateau. Peut-être que je le ferai avec mes acolytes si un jour j'ai le temps. Voilà, et là ici on peut choisir nos véhicules. Et en fait il y a 3 véhicules par plateau. Et on peut choisir le véhicule de notre choix. Ce qui peut être assez sympa à faire. Alors on va finir un petit peu avec quelques mini-jeux. À faire les jeux libres. Je suis tout seul. Voilà, pour vous montrer un petit peu les plateaux qu'on n'a pas encore vus. Hop là, niveau ordi, bon je vais les mettre en mètres, comme ça on va se faire un petit défi rapide. Et puis je vous montre un petit peu les mini-jeux qu'on n'a pas vus. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ben tiens, bûcher en bûche, on l'a pas vu. Donc pour bûcher en bûche, le but du jeu c'est de taper les morceaux de bois et éviter de taper sur les bombes. Cela se joue en 3 points gagnants. Oh, ils sont rapides! Oh la vache! Putain, mais faut avoir des réflexes de ninja ou quoi là? Ah, dommage pour toi, Mario. Donc là, Mario saute son prochain tour. Putain, mais sérieux, j'ai même pas le temps de taper! Putain, je me suis foiré, mais c'est pas grave. Ah, là je l'ai eu. La vache. Oh là 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 là. Putain, je tape avant en fait qu'il pose maintenant. Oh merde. Non. Oh, ok. Ah, je peux avoir le troisième point là. Oui. Oh putain, j'en reviens pas. Mais je vous jure, dès qu'il pose, quoi, il faut taper rapidement, quoi. C'est très 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 dur. Allez, on va faire un autre mini-jeu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tiens, on va faire le 10 gagnant. Alors pour le 10 gagnant, c'est un petit jeu de chance. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, en fait, il y a des cases voilà, qui sont ici. Il y a des mois, rivaux, derniers, premiers, tous. Et le but du jeu, bah, c'est d'être le premier à marquer 10 points. Le premier qui y arrive, bah, l'emporte, tout simplement. Ok, je commence. Ok, tous 2 points.
Donc évidemment, c'est pas terrible, hein, puisqu'il faut choisir les cases où c'est marqué moi, hein, pour marquer tout seul les points. Voilà. Donc la Peach marque 3 points toute seule, comme une grande. Oh, Mario 3 points. Ça fait pas mes affaires, ça. Ah, Rivo plus 2. Donc là, cette fois-ci, les adversaires de Wario vont marquer chacun 2 points. Et ça fait toujours pas mes affaires, moi. Oh non. Les premiers marquent 2 points. Punaise. Oh bah là, là, on est mort, là. On est mort et enterré, les mecs, hein. Moi plus 2. Bon bah voilà, c'est Peach qui l'emporte. Oh là 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 là. Terminé. La chance. Bon voilà, après c'est vrai qu'il y a plein de jeux qu'on n'a pas encore vu, mais là je vois qu'on approche des 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Je vais revenir sur l'écran titre. Enfin sur l'écran titre. Non pas sur l'écran titre, mais... Si sur l'écran titre, on peut. Oui, voilà. On va revenir sur l'écran titre. Et ce sera parfait comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc c'était Top Top. Donc pour cette 8e et dernière partie sur Let's Play de Mario Party 9. J'espère que cet épisode et que ce Let's Play vous auront plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau Let's Play. Et en attendant, bah moi je vous dis. À la prochaine tout le monde!